Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo, assez spéciale puisqu'aujourd'hui je vais sortir du domaine du maquillage, mais quand même rester dans le domaine de la beauté. Mais aujourd'hui je vais vous présenter une box de bijoux. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais énormément vous remercier car on a atteint les 34 400 abonnés sur la chaîne YouTube. Et franchement c'est juste énorme, donc vraiment merci beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous présenter une box de bijoux qui vient de la marque Ojoya. Donc Ojoya c'est une marque de bijoux en fait, qui propose des bijoux donc pour tous les styles, pour les enfants, pour les hommes et pour les femmes. Donc cette marque elle travaille avec des artisans et des créateurs du monde entier qui en fait eux travaillent sur des méthodes traditionnelles. Donc sur leur site, donc vous avez plusieurs box de bijoux. Donc là j'ai écrit sur un petit papier les différentes box pour vous les présenter, pour vous dire quel style de box il y a sur leur site. Donc du coup je vais vous les dire. Donc il y a plusieurs box. Donc il y a la box boohoo, c'est plus pour les tendances bohème, donc originale et ethnique. La box chic, plutôt dans les tendances chic et sophistiquées. Et après vous avez la box mix qui mélange du coup le style bohème et le style chic. Et aussi donc il y a la box filles, donc qui sont pour les bijoux pour les enfants. Donc vous pouvez choisir votre box en fonction de votre style, de vos préférences et aussi de votre budget, parce qu'il y a plusieurs box avec des budgets différents. Donc si vous êtes intéressé par la box que je vais vous présenter, ou si vous êtes intéressé par d'autres bijoux, donc il y aura tous les liens des sites en barre d'infos. Donc aussi vous avez un code promo et donc vous avez moins 10% sur leur site avec le code ClaudiaDi. Et du coup il est valable ce code jusqu'au 20 décembre. Donc voilà pour la présentation de la marque Ojoya. Et maintenant on va passer avec la petite boîte. Donc voilà comment elle se présente la boîte. Donc là c'est un petit tiroir en fait pour voir les bijoux dedans. Donc on va découvrir ça ensemble. En fait la boîte en fait elle est faite à partir de produits recyclés. Donc pour respecter l'environnement. Donc voilà la petite box. Donc du coup on va l'ouvrir. Donc en fait c'est un petit tiroir quoi. Vous avez juste à l'ouvrir comme ça. Voilà. Donc voilà. Et du coup là on a le petit tiroir. Et du coup il y a plein de trucs dedans. Alors déjà on a un petit mot. Donc voilà. Donc c'est un petit mot personnalisé. Vous voyez c'est écrit Hello Claudia etc. Donc je vais vous lire. Hello Claudia, ce mois-ci j'ai le plaisir de te présenter la box boohoo. Donc moi j'ai choisi la box boohoo. Avec cet abonnement tu peux personnaliser en fonction de tes goûts, couleur des métaux, taille des bijoux et ton porte-monnaie. Plusieurs types d'abonnements. Tu recevras chaque mois des bijoux bohèmes ainsi que des accessoires. Pierres fines, motifs ethniques, des pièces subtiles mais absolument tendances. Ce mois-ci, tu découvres deux bijoux en laiton et une fleur diffuseur. Donc en fait, c'est ce que j'ai donc dans ma petite boîte. Donc j'ai deux bijoux et une fleur diffuseur. Donc c'est pour la fleur diffuseur, c'est à ajouter dans ton parfum d'ambiance préféré pour diffuser des douces notes parfumées dans la pièce. Donc en fait c'est une fleur diffuseur, donc je vais vous la montrer juste après. Donc dans mes petits bijoux, donc dedans il y a une paire de boucles d'oreilles et un bracelet avec une olite bleue. Cette pierre est connue pour agir sur le stress et la colère, mais aussi pour apaiser le système digestif et améliorer la résistance de ton corps. Donc ça a l'air vraiment bien, donc la petite pierre qui est sur mon bracelet, franchement ça a l'air super bien. Et pour profiter de tes bijoux plus longtemps, il est plus raisonnable de les ranger dans ce pochon mis à ta disposition lorsque tu ne les porteras pas. Aussi, il est conseillé de les retirer sous la douche pour profiter de leur brillance encore et encore. En espérant que cette box te plaise, à très vite. Donc voilà pour le petit mot, et donc il se présentait comme ceci. Donc franchement il est très très joli. Et du coup ça m'a un peu expliqué donc ce qu'il y avait dans la box. Donc il va y avoir du coup une paire de boucles d'oreilles, un bracelet avec une pierre et aussi une fleur diffuseur. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc voilà comment elle se présente. Donc là vous avez le petit pochon donc avec du coup les bijoux. Donc c'est ce qu'on va ouvrir après. Je pose là. Et du coup dedans vous avez une fleur diffuseur. Et en fait cette fleur vous la mettez dans un diffuseur de parfum. Et en fait ça va dégager du coup une odeur dans votre pièce. Donc voilà. Et du coup on va passer au petit bijou. Donc ça c'était le petit petit pochon hein, qu'ils nous ont dit que quand vous les portez pas, il faut les mettre dans un petit pochon. Donc voilà le petit pochon. Et du coup, dedans, il y a les petits bijoux. Alors, donc les bijoux, ils sont emballés dans des petits sacs orange comme ça. Hop, voilà.
Et du coup, donc, dedans, il y en a deux. Et du coup, je vais ouvrir celui-là pour commencer. Alors, on va voir ce que c'est. Donc, c'est le petit bracelet. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, du coup, celle-là, c'est la pierre qui est censée, du coup, apaiser votre système digestif. Et elle agit sur votre colère et votre stress. Donc, franchement, ça a l'air super bien. Et donc, il est très très joli, ce petit bracelet-là. Donc, voilà la pierre un peu plus près. Franchement, elle est très très jolie, vraiment. Et du coup, quand OGIA m'avait contactée, elle m'a dit que pour ce bracelet, puisqu'elle m'avait dit qu'il y allait avoir un bracelet dans ma box, eh ben, faut l'enfiler par la tranche de votre poignet, donc ici, et non comme ça, puisque ça risque sinon de l'abîmer et de le déformer. Donc là, hop, on le passe à la tranche du poignet. Hop, voilà. Et du coup, je vais un peu le resserrer pour qu'il soit à ma taille, et je reviens. Donc voilà, je l'ai ajusté, donc voilà. Donc il se présente comme ceci sur le poignet. Franchement, il est très joli. Donc en plus, c'est bien parce que du coup, il peut se régler. Parce que moi, en fait, j'ai un poignet vraiment très fin. Puisque je suis assez fine, en fait. Et comme ça, donc vous pouvez le régler à votre taille de votre poignet. Franchement, c'est super bien. Donc voilà, de plus près. Donc franchement, il est très très joli. Il fait son effet, il est très chic, il est bohème en même temps. Et avec la petite pierre bleue, ça rajoute de la couleur. Non, franchement, je suis très jolie. C'est très très joli, je suis super contente. Non, franchement, il est vraiment super beau. Il est raffiné, etc. Assez fin pour pas que ça fasse trop mastoc sur votre bras. Non, franchement, c'est hyper joli. Je suis super contente. Et du coup, on va passer du coup au deuxième bijou. Donc ce deuxième bijou, donc je pense que c'est les petites boucles d'oreilles. Donc pareil, je vais l'ouvrir. Hop. Et oui, ce sont les petites boucles d'oreilles. Donc elle se présente comme ceci. Alors je vais enlever le petit papier. Et donc voilà, donc c'est des petites boucles d'oreilles comme ça. Donc en or comme ça, enfin couleur or. Très très jolie. Et du coup je vais les essayer. Donc moi j'ai les oreilles percées. Hein. Sinon c'est un peu difficile de mettre les boucles d'oreilles. Et donc hop, je les mets. Voilà, donc ça passe tout seul. Et waouh. Elles sont super jolies. Elles sont vraiment très très belles. Donc c'est assez raffiné. J'aime vraiment beaucoup. Du coup on va mettre la deuxième. Hop, voilà. Donc voilà. Et en fait ce qui est bien c'est que vous n'avez pas besoin du coup d'accroche. Parce qu'avec certaines boucles d'oreilles pour pas qu'elles tombent vous avez tu sais des petites accroches. Et elles vu qu'en fait elles sont rondes. Et bah du coup vous n'avez pas besoin de mettre des accroches. Franchement elles sont hyper jolies. J'aime vraiment beaucoup. Avec, si je me fais une petite queue de cheval, là. Juste pour vous montrer le mieux. Ils sont vraiment magnifiques. Super jolis. Non, franchement, j'aime bien. En plus, moi, j'aime beaucoup les bijoux qui sont dorés. J'aime aussi les argentés et les plus colorés. Mais je trouve les dorés, c'est vraiment super chic. Et franchement, elles sont trop, trop belles. J'aime vraiment beaucoup pour le coup. Elles sont super belles, vraiment. Regardez, en plus là, donc vous avez un petit détail ici avec, vous avez vu, il y a trois petits points. Et du coup, ça rajoute un petit style, vous voyez, au lieu que ce soit comme ça, tout rond, assez basique. Voilà. Bah, hop, il y a trois petits points. Et franchement, c'est super beau, vraiment. Je suis super contente de cette petite box. Franchement, c'est super joli. Et en plus, par exemple, en ce moment, là, on va rentrer dans la période de Noël. Et je trouve que ça, en cadeau pour votre famille, bah franchement, ça fait super plaisir, toujours des petits bijoux et tout. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment super joli. C'est raffiné, etc. Ça fait pas trop gros, vous voyez. Et franchement, c'est trop joli. Donc voilà les petits bijoux. Donc on avait les boucles d'oreilles, le petit bracelet, et du coup, la fleur diffuseur. Donc en plus, moi, dans ma maison, en fait, j'ai un diffuseur de parfum. Donc je pense que j'y mettrai dedans et on verra si ça sent bon. Mais je trouve que c'est assez une bonne idée quand même, ça. Je trouve que c'est très joli. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Avec le code promo CLAUDIA10, vous avez donc moins 10% sur le site d'OGIA. Et en plus du coup, comme je vous l'ai dit, c'est les fêtes de fin d'année, donc Noël. Et je trouve franchement c'est une super bonne idée de cadeau en fait, parce que genre, ça fait vraiment toujours plaisir de recevoir des petits bijoux. Et en plus, vous pouvez choisir en fonction de votre budget, le style, etc. Donc vraiment c'est super bien. Et donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner.
Et donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.